Alors le thème, vous savez, la première année, on avait fait le bonheur, la deuxième, on avait fait l'enfance, l'an dernier, on a fait le progrès. Cette année, le thème sera la passion et les passions. Parce que tout le monde sait que dans le monde dans lequel nous vivons, la passion pour chacun de nous, ça va de la passion amoureuse jusqu'à la passion sportive, jusqu'à la musique ou aux arts. La passion, c'est évidemment devenu très important. Et puis, pour les peuples, il y a eu toute une période où on pensait que les peuples allaient vers la raison. Puis on s'aperçoit aujourd'hui que les passions, dans tous les domaines, politique, religion, on le voit bien avec la campagne présidentielle, tout ça, évidemment, a pris le pas sur la construction raisonnable ou rationnelle. Et donc, il nous a paru très intéressant d'étudier ce thème sous tous les angles qu'on va pouvoir trouver. Et je ne doute pas que nous allons trouver de très grands intervenants sur tous ces angles-là, ce qui fera des idées mènent le monde, une nouvelle fois, un rendez-vous très important pour Pau et la région, et aussi plus important nationalement. Notre objectif est de donner sa pleine dimension à un rendez-vous dont tout le monde sait maintenant à quel point il est important, à quel point il parle. Aux gens, aux habitants de la ville, à tous les milieux et à tous les âges. Ce qui est l'objectif des idées mènent le monde, c'est pas un rendez-vous pour intellectuels, c'est un rendez-vous pour tout le monde, pour que chacun puisse entendre dans ses débats l'écho des questions qui se posent pour lui-même. Et donc je ne doute pas que le plein succès permettra encore de dépasser les objectifs. Moi, j'ai beaucoup de passion. J'ai beaucoup de passion personnelle. L'écriture est une passion personnelle. La lecture est une passion personnelle. Le sport est une passion personnelle. J'ai une passion d'engagement. La politique est une passion. La ville est pour moi une passion. La ville, l'agglomération, les Pyrénées, le Béarn, est pour moi une passion. Et plus largement, j'essaie de participer, de comprendre, peut-être j'allais dire de vibrer à notre société dans les passions qui l'habitent, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Oui, donc c'est pas par hasard que le thème est choisi.